Ce mercredi 6 mars, CST dans une vidéo publiée sur Instagram que Mathieu Kassovitz a dévoilé la réponse de l'acteur Saïd Tagmaoui à sa proposition de combat. Un retour auquel il ne s'attendait visiblement pas. Bientôt 30 ans après la sortie du film La haine de Mathieu Kassovitz, la paix semble être rompue entre le célèbre réalisateur et ses acteurs. En 2021, Saïd Tagmaoui, qui incarne l'un des trois rôles principaux dans le long métrage, l'a d'ailleurs pris pour cible dans son livre intitulé De la haine à Hollywood. Tu aurais quand même pu nous créditer sur les dialogues, on a quand même écrit la moitié. Les dialogues qui ont du sens, ils ne viennent pas de toi, ils viennent de mon quartier, a écrit l'acteur, avant d'ajouter. Le film parle d'un sujet que je connais particulièrement bien, en tout cas beaucoup plus que Mathieu, que Vincent et encore plus qu'Hubert à l'époque, puisque je suis le truc. Je vois les erreurs et quand ça sonne juste, puisque, moi, si estime ma réalité. Un tacle parmi tant d'autres qui a visiblement agacé Mathieu Kassovitz. Le 2 mars dernier, le réalisateur s'est rendu sur les réseaux sociaux pour faire une proposition inattendue à Saïd Tagmaoui, celle de faire un combat en règle. Je vais te faire fermer ta gueule définitivement sur le film, je vais te proposer un truc. Un combat en boxe anglaise, 3x3, où tu veux, à partir de septembre, comme ça, on a le temps de se préparer, où toutes les recettes iront à ton orphelinat, a déclaré Mathieu Kassovitz. Une prise de parole qui a fait réagir de nombreuses personnalités. Saïd Tagmaoui répond enfin à Mathieu Kassovitz. Pendant plusieurs jours, Saïd Tagmaoui a préféré rester silencieux à la proposition de Mathieu Kassovitz. D'ailleurs, l'acteur, qui a fait carrière aux États-Unis, ne semble pas vouloir répondre explicitement à son ex-collègue. La raison ? Il lui a envoyé ses avocats. Si est-il du moins ce que Mathieu Kassovitz a déclaré dans sa dernière vidéo publiée sur Instagram. J'ai passé la journée à chercher Saïd Tagmaoui, je ne l'ai pas trouvé mais j'ai eu un message et maintenant je sais qu'il est là. Vous savez pourquoi je sais qu'il est là? Pas parce qu'il m'a envoyé un message pour me dire qu'il voulait faire le combat parce que je pourrais avoir peur, mais je sais qu'il est là parce qu'il m'a envoyé ses avocats, a déclaré le père de famille. Il veut m'attaquer en diffamation. Saïd, non seulement tu as peur et tu ne veux pas boxer, mais en plus tu nasses plus de vannes. Frère, a-t-il ajouté. Pas sûr que le drapeau blanc soit prêt à être agité.